सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें, प्यार की थपकियों से सुलाओ हमें, आसान नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों। Ce soir-là, on était parti pour faire la fête. On avait fait un feu de joie, et à un moment, Soigny est apparue. Elle sortait de nulle part. Un homme la pourchassait, un certain Arjun. Elle le suppliait de la laisser tranquille. Elle a mentionné un certain Choub. Et elle est tombée de la falaise. Seigneur, je ne sais pas comment Soigny a pu endurer de pareilles souffrances. Seulement, je ne vois vraiment pas en quoi ça prouve que la fille qui vit à la maison est la Soigny à laquelle on pense. Franchement, ça ne prouve rien. Parce que tout le monde a entendu parler de cette histoire. Tout le monde l'a lu dans la presse. C'était un accident inhabituel. Cette femme se contente de répéter ce qu'elle a entendu. Tu ne peux pas vraiment en tenir compte. Réfléchis. Ça ne prouve pas que cette fille est la vraie Soigny, mon grand. Imagine-toi, n'importe quelle fille lambda pourrait se présenter à la maison et venir nous raconter la même histoire. Devrions-nous aussi l'accepter comme Soigny? Ça tient, c'est pas vrai? T'es d'accord avec moi? Ce n'est pas mon visage! Ce n'est pas mon visage! Que s'est-il passé? Mon visage? Ce n'est pas moi! Je ne reconnais pas ce visage! Ce n'est pas mon visage! Ce n'est pas moi! Non! Non! We'll be right back.
Qu'est-ce qui se passe, Shubi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon visage. Mon visage a changé. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je ne me reconnais pas. Tu ne vas pas me croire. Mais Arjun a essayé de me tuer hier soir. Arjun m'a précipité dans un ravin. Après ça, je ne me souviens de rien. Je n'arrive pas à me rappeler. Comment je suis rentrée? Qui m'a ramenée à la maison? Qui est-ce? Je ne sais pas qui m'a ramenée. Tu vas me répondre, Shubi, dis quelque chose. Shubi, qui m'a raccompagnée? Comment il peut arriver autant de choses en une soirée? Que s'est-il passé? Ce n'était pas une soirée. Cet incident a eu lieu il y a 3 mois maintenant. Plus de 3 mois. Et du jour au lendemain, nos vies ont bien changé. Trois mois, tu dis? Oui. 3 longs mois. Je n'ai jamais oublié cette nuit-là. La nuit où Swanee m'a été arrachée. Monsieur, on a retrouvé ce bijou au fond du ravin. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie! Tout ce qui s'est passé. Je ne me souviens de rien. Pourquoi vous me dévisagez? Vous avez des doutes? Je suis bien soignée. Shubi, je t'en prie, dis-leur que c'est moi. Que c'est moi, Swanee, ton épouse. Je suis ta femme, Swanee. Swanee. Ma Swanee. Shub, qu'est-ce que tu fais au juste? Est-ce que tu as perdu la raison? Maîtrise tes émotions, mon garçon.
Sers-toi donc de ton cerveau. Tu n'as qu'à lui demander, est-ce qu'elle est capable de prouver qu'elle est la véritable Suhani? Combien de fois devrais-je vous le dire? Je suis Suhani. Je mets ma main au feu que cette fille est une usurpatrice. Elle nous a bien roulé dans la farine, celle-là. Je soutiens qu'elle n'est pas Suhani, mais une menteuse. D'accord, je veux bien admettre qu'elle nous a tous reconnus. C'est vrai qu'elle s'adresse à nous exactement de la même manière que Suhani avait l'habitude de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle. Quand on a vécu un peu avec des gens, on n'a aucune difficulté à savoir tout ça. Tu comprends? Mais elle a chanté la prière que Suhani préférait. Qu'est-ce que tu dis, mon grand? Si je te suis bien, comme cette fille a chanté la même prière, ça prouve qu'elle est bien notre Suhani. Je suis capable de connaître des prières par cœur, moi aussi. Et elle les connaît comme plein d'autres gens les connaissent aussi. Elle nous a fait le coup de la prière juste pour nous amadouer, c'est tout. Et comme par hasard, elle nous a chanté la même prière que Suhani avait l'habitude de chanter. Et les épices qu'elle a trouvées dans la cuisine? Elle a appelé maman belle-mère. Ça aussi, c'était une coïncidence? C'était facile. C'était marqué sur les étiquettes. Le nom des épices est marqué sur les portes des placards. Tout le monde est capable de les lire. Les épices étaient faciles à trouver. En ce qui concerne Yashoda, à mon avis, ça lui a échappé. Ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence. Une belle-mère, tout le monde en a une. Je ne trouve pas que ce soit bizarre. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire que tu es soignée? Pourquoi? On t'écoute, explique-toi. Tu es muette, hein? Parle! Je ne comprends pas. Pourquoi vous me faites subir cette épreuve? Je ne mens pas, je suis chez moi, dans cette maison. Dois-je vraiment vous prouver qu'on est de la même famille si je veux retrouver mon identité? Satya, beau-père, vous le savez. Vous savez que je suis Suhani, non? Vous vous souvenez le jour où Shub et moi avons décidé de nous en aller? Vous refusiez de rester. Si Shub et moi on partait d'ici, je ne l'invente pas tout de même, vous vous en souvenez? Vous vouliez quitter la maison. C'était affreux. Shub, je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison si toi tu pars. Tu te souviens quand Shub m'a demandé en mariage? Tu m'as laissé décider. J'en ai pris la décision. Tu disais que c'était à moi de choisir. Que personne n'avait le droit de décider à ma place. Papa, tu t'en souviens? Essaie de te rappeler, papa, fais un effort. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ce n'est pas à moi de... prendre une décision comme celle-là. C'est Suhani qui doit te répondre. Papa, essaie de te souvenir, s'il te plaît. Ange, on était allés à la maison de campagne. Et c'est toi qui m'avais fait faire le tour du propriétaire. Tu m'avais montré tes photos d'enfance. La photo de Ram et Sita. Tu étais habillée en Sita. Souviens-toi, Ange, souviens-toi. Non, la réponse est non. Le petit garçon habillé en Sita? Bah oui, c'est moi le beau gosse. Tante Ginny, tu te souviens le jour du mariage de Gayatri? Ses bijoux avaient disparu.
J'avais même donné ceux de mon mariage pour sa dot. Est-ce que tu t'en souviens, Ginny? Qu'est-ce que Gayatri va dire à ses beaux-parents? Que nous ne pouvons pas donner les bijoux à notre fille parce qu'ils ont été volés? Ce ne sera pas du tout nécessaire. Parce que je compte lui donner mes bijoux. Et maintenant, regardez-moi bien. Vous pensez toujours que je ne suis pas soignée? Après tout ce que je vous ai dit, vous ne croyez donc pas à mon honnêteté? Répondez-moi, dites quelque chose. Ce silence est très éloquent. Parlez! Non. Je ne crois toujours pas que tu sois soignée, non. La soignée qu'on connaît, nous. Il n'y a pas de doute. Tu nous as relaté les événements tels qu'ils se sont déroulés. C'est étonnant, sauf que ce n'est pas difficile à découvrir pour quelqu'un qui a l'habitude de connaître si bien notre famille. Tu pourrais peut-être bien être une complice de Lolita et d'Arjun. Ils ont tué Suhani et maintenant ils t'envoient pour exécuter leur plan. Ils t'ont expliqué dans le moindre détail ce que tu sais sur nous. Shubi, est-ce que je dois te prouver que je suis Suhani, que c'est bien moi? Ça m'est totalement égal ce que le reste de la famille peut penser. Ça m'est égal qu'ils ne croient pas que je suis Suhani. Parce que ton avis est le seul qui compte. Est-ce que tu penses que je suis ta femme, Suhani? Shubi, parle-moi, dis-moi si tu me crois. Tu veux que je te réponde? Viens alors. Je vais te donner une réponse. Viens avec moi. Mais où est-ce que tu l'emmènes? Où tu vas? Shubi? Shubi? Shub, dis-moi où tu vas? Où tu l'emmènes? Vous vouliez tous savoir ce que je crois. Voici mon verdict.
vous ai toujours soutenu, peu importe la raison. J'ai accepté vos décisions sans jamais me rebeller. Aujourd'hui, je vous demande d'accepter la mienne. Je suis sûr que c'est elle. Ma femme soignée. Ma soignée. Elle a des droits. Sur cette maison. Cette famille. Cette maison est la sienne. Pour ta gouverne. Je ne crois pas qu'elle mente. Je ne la mettrai pas dehors. Je sais que ce n'est pas une usurpatrice. Rien ne peut m'en dissuader. C'est ma femme soignée. Elle n'a pas à partir d'ici. Elle n'a pas à me quitter, ni à quitter cette maison. Je vous demande de la respecter et de la considérer comme telle. J'espère que personne ne verra d'objection à la traiter comme la belle-fille légitime de cette famille. Toujours la femme qui doit prouver qu'elle est innocente de ce qu'on l'accuse. Ça n'arrivera pas cette fois. Elle n'aura pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que moi j'ai une confiance absolue en soigné. M'est égal ce qu'il pense, parce que moi je le sais, tu es bien ma femme soignée, ma soignée. Choubi? Oui, soignée. Je me fie toujours à mes sentiments. Je sais, tu es la soignée que j'ai épousée. Je le sens dans mon cœur. Papa. Fiston, tu ne peux pas te tromper si tu écoutes ton cœur. C'est soigné. Ma belle-fille soigne. Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Inspecteur, que faites-vous là? Je lui ai demandé de venir. Pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Comme ça, on n'accusera pas ma belle-sœur d'avoir abusé de notre famille. Inspecteur, expliquez-leur ce que vous avez appris concernant cette affaire. Oui, on avait reçu un appel. Un appel venant d'un pêcheur qui avait trouvé une femme inconsciente au bord de la rivière. Quand on est arrivé à l'hôpital, on s'est aperçu que son visage était entièrement brûlé. On n'avait aucun moyen de l'identifier. On était dans l'impasse. On a pensé qu'on découvrirait son identité que lorsque sa famille la porterait disparue. Personne ne s'est manifesté.
Le docteur Sharma nous avait donné toutes ses affaires à l'époque. D'ailleurs, elles sont toujours en notre possession. Inspecteur, mais pourquoi ? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Quand on s'est vu la première fois à l'hôpital, pourquoi vous ne me les aviez pas montrés ? Monsieur, j'ai pourtant essayé. J'ai essayé, mais vous ne vouliez rien entendre. J'avais pourtant insisté. Mais vous, vous ne vouliez pas croire que c'était votre femme. Voilà ses objets personnels. Je la reconnais. C'est celle de Swanee. C'est la bague de notre mariage. Celle qu'elle portait autour du doigt. Monsieur Tripathi, ces bijoux lui appartiennent ? Monsieur Tripathi, nous on va y aller si vous n'avez plus de questions. Mais on doit clore le dossier. Et j'aurais besoin que Swanee et vous passiez au poste de police avant demain. C'est d'accord. Je vous attendrai. Regardez, c'est la preuve qu'elle est la vraie Swanee. Est-ce qu'il vous en faut plus ? Tu vois bien qu'ils en ont le souffle coupé, tiens, regarde-les. Je suis tellement heureux que ma belle-fille soit rentrée à la maison, auprès de son mari. Nous vous remercions, vous nous avez été d'une grande aide. Je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire combien je vous suis reconnaissant. Non, non, monsieur. Ce n'est pas nécessaire. Inutile de nous remercier. C'est un plaisir pour nous de vous aider. Que Dieu vous protège. Choubi, avec ce qu'on vient d'expérimenter, tu ne crois pas que notre Dieu existe bien quelque part ? Regarde ici, c'est ta femme Swanee. Une jeune fille à qui nous sommes venus en aide. Elle ne savait pas qui elle était et son visage était méconnaissable. En plus, elle était amnésique. Elle ne se souvenait de rien et on ne pouvait pas la reconnaître. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est de retour parmi nous. C'est pas un miracle ? Qu'en dis-tu, Choub ? Elle aurait pu être séparée de nous, et toi, tu as réussi à la ramener à la maison. Si tu n'avais pas eu cette générosité, on n'aurait pas pu deviner que Swanee était toujours vivante, et on ne saurait rien d'elle. Et ce n'est pas ce qui est arrivé, pas du tout. Choub, si toi tu as perdu la foi en notre Seigneur, tu vois bien que lui, il ne t'a jamais abandonné. Il a protégé Swanee tout le temps. Et ensuite, il nous l'a ramenée.
mon grand, tu sais, c'est un bienfait que t'accorde le Seigneur. Lourdement. Je dois réparer mon erreur. Soigne, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Seigneur Krishna, nous sommes comblés, tu as rempli nos vies de bonheur. Je te remercie, Seigneur, je t'en suis tellement reconnaissant. Moi aussi, je le suis. Au lieu de lui adresser des remerciements, on devrait organiser une cérémonie. Quelle bonne idée, mon grand. Demain, j'irai voir le Brahman. Et il me dira quel jour est propice à la cérémonie. Et Anshu, il est... Il était là il y a une minute. Moi, je crois savoir où il est. J'ai ma petite idée. Allez, viens avec moi. Viens. Gayatri, imagine. C'est assez incroyable. On avait assisté aux funérailles de Swani. On lui avait fait nos adieux. Et aujourd'hui, elle est de retour à la maison. Bien vivante. Tout le monde est fou de joie, Gayatri. C'est l'euphorie totale. Tu sais, Shub a mis du signe d'or sur le front de Swani. Et il est même retourné au temple. Il ne manquait plus que toi au tableau, Gayatri. Heureusement, je peux compter sur toi pour tout me raconter. Ange, moi aussi, je suis folle de joie. Si tu avais vu ça, Gayatri... Elle verra bientôt.
Elle nous manque énormément à tous. Ange, demande à Gayatri de revenir le plus vite qu'elle pourra. Parce que je l'attends avec impatience. Beaucoup de temps s'est écoulé. On a du bavardage en retard. Ange, tu diras à Soigny que je suis sa partenaire de bavardage. Et que je suis aussi impatiente qu'elle de la retrouver. Que tout sera exactement comme avant. Gayatri, il faut que je raccroche. Quand est-ce que tu rentres ? Soigny a dit que... Je fais au plus vite, Ange. Allez, Ange, à bientôt. Et prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. La lune est magnifique ce soir. Soigny. La lune... La lune est le témoin de notre amour. De notre bonheur. Comme de nos souffrances. Je te fais la promesse, avec la lune pour témoin, que quoi qu'il arrivera, plus jamais je ne me séparerai de toi. Jamais. Pendant ces 3 mois, j'avais le pressentiment étrange que tu étais en vie. Parce que je respirais encore. Et même parfois, j'arrivais toujours à sentir ta présence. C'était... Que se passe-t-il ? Qu'y a-t-il, Soigny ? Ce n'est rien, Shobi. Shobi... Je peux te poser une question ? Bien sûr. Shobi... Je suis inquiète, tu as décidé de me croire et de m'accepter. La société va soulever des doutes que tu vas devoir affronter. Tu vas devoir supporter leur raillerie et... Je me fiche bien de la vie des gens. Je suis capable d'endurer n'importe quoi. Tant qu'on est tous les deux. Je serai toujours à tes côtés, Shobi. Je t'en fais la promesse ce soir. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Rien ne nous séparera. Rien et même pas la mort. C'est une promesse. Ah, ah, ah.